Bonjour, alors aujourd'hui nous allons étudier comment rajouter un prospect et travailler avec lui sur VTiger, donc le logiciel CRM en ligne de Batimpulse. Nous allons donc ajouter un prospect avec le bouton Ajouter lead, donc prospect en anglais. Et nous allons pouvoir remplir l'ensemble des données concernant ce prospect. Il y a peu de champs obligatoires. C'est un prospect, donc nous n'avons pas forcément toutes ces données. Nous allons imaginer que nous connaissons sa société, son téléphone. Alors, la réalité, c'est le portable. Un petit coupé-collé. C'est très facile à remplir. Voilà. Statut à contacter en attente. On peut rajouter, donc on peut l'assigner au vendeur que l'on souhaite. Dans ce cas-là, on va dire que c'est Damien qui doit s'occuper de ce client-là. Pour rajouter les informations de l'adresse. Et on peut mettre une description. Par exemple. D'accord? Enregistrer. À partir de ce moment-là, ce prospect va apparaître. Donc là, il nous amène directement à la page de gestion du prospect. Nous allons revenir ici en haut sur prospect. Et nous allons voir qu'il apparaît dans la liste des prospects que nous avons. Nous en avions un. Maintenant, nous en avons deux. C'est le prospect avec lesquels nous devons travailler. Aujourd'hui, je vais travailler donc avec ce prospect. Imaginons que je vais lui envoyer de l'information. Je peux rajouter donc un commentaire. Je lui ai envoyé un email. Aujourd'hui, commentaire. L'intérêt des commentaires, hein, on l'a déjà vu, c'est que automatiquement j'ai qui a mis le commentaire, à quel moment et qu'est-ce qui s'est fait. Ça permet d'avoir un suivi commercial très très pratique au niveau de chaque prospect. Donc là, c'est au niveau commentaire. Il suffit de cliquer sur le commentaire, j'en rajoute un autre. Ensuite, je peux créer des activités pour ce prospect. Par exemple, si aujourd'hui je lui ai envoyé un email, je peux l'appeler par exemple dans une semaine, plutôt on va dire vendredi, pour savoir comment ça va. C'est un appel. Donc là, je crée une activité qui va s'accrocher, on va dire, qui va s'intégrer directement dans mon agenda. D'accord? Donc je sais que je dois rappeler la semaine prochaine ce prospect. Si je vais à mon agenda, donc vendredi le 12, j'ai dit, voilà. Donc j'aurai une tâche qui va être d'appeler, là je viens de l'effacer simplement. D'accord? Imaginons maintenant que ce prospect acheter. Je vais donc le transformer en compte et contact. Pour cela, je vais choisir ici l'option convertir. Convertir le prospect en compte et en contact. Choisis un secteur. Ça, c'est complètement paramétrable par la suite. On peut changer ici la liste des secteurs par rapport au type de client que l'on souhaite travailler. Et je vais donc aussi créer le contact avec les données que j'avais dans
la fiche prospect. Automatiquement, toutes les données sont réenvoyées dans le compte et le contact. Et le programme automatiquement m'ouvre la page contact, la page compte, pardon. Donc je suis dans compte ici. Page compte, business management, avec la web, l'email, le commercial auquel c'est assigné. D'accord? Et je peux ici automatiquement voir les contacts de cette société. Hein, j'ai cliqué ici à droite dans contact. Et si j'ouvre ce contact, je retrouve le commentaire que j'avais ajouté sur le prospect qui a été automatiquement lié au contact. Et je ne retrouve pas l'activité puisque je l'ai effacée, mais sinon l'activité ici aurait également été ajoutée sur mon contact. À partir de ce moment-là, je peux parfaitement revenir sur mon compte et depuis le compte, alors là, il y a un petit... voilà. On peut changer aussi comme ça. Donc depuis ce compte, je peux faire directement mon devis, ici à droite. Devis. J'ajoute un devis pour Pimage Management. Donc là, je choisis un sujet pour le devis qui pourrait être... BIMTAB pack D110 par exemple, c'est un sujet. Je peux mettre première proposition ou proposition à discuter. Je peux choisir complètement le nom du sujet. La phase créée. Le compte, c'est PMS Management. Je peux ajouter ici, si je le souhaite, les coordonnées du contact. Imaginons que j'ai plusieurs employés dans le compte PMS Management. Je peux choisir à qui je vais envoyer. À quel employé je vais envoyer le devis. Je choisis ici l'adresse. Donc là, les adresses doivent être automatiquement remplies. Je copie en cliquant ici adresse de facturation. Là. Ici, donc, les conditions générales. Le détail, une petite description du devis si j'en ai besoin. Et je vais ici choisir le produit. Donc j'ai dit pack pro D110, par exemple. Je choisis mon produit. Automatiquement, le détail du produit se met dans la démonstration. Alors je peux changer naturellement la quantité au choix. Je peux changer également le prix. Donc 499, je peux mettre 500. Automatiquement, tout mon devis va être modifié. Donc là, je bouge ou avec la souris ou avec la barre tabulation. Voilà. Je peux ajouter ici une remise en pourcentage ou en euros. En pourcentage, imaginons que je souhaite lui faire une remise de 10%. Automatiquement, je peux aussi décider de faire une remise de 50 euros par exemple. Je peux faire une remise sur cet article, mais je peux également faire une remise par la suite, ne pas ajouter de remise sur l'article, rajouter à la fin une remise totale. Imaginons qu'il a commandé un groupe de produits, là encore, je peux rajouter une remise ici. Je rajoute mes frais d'expédition,
Imaginons que nous avons 10 euros de frais d'exposition. Prix total, TVA. Je peux vérifier mon taux de TVA, je peux le modifier si j'en ai besoin. La TVA sur l'expédition. Là encore, je peux vérifier, modifier si besoin. Et mon total TTC. J'enregistre mon devis. Si je gère du stock automatiquement, donc vous avez vu, il y a un petit message d'attention, il n'y a pas de stock parce que je n'ai pas géré le stock. Donc j'ai un stock aujourd'hui dans le programme qui est à zéro. Voilà, donc ici j'ai pour ce compte, Business Management, un devis qui a été créé et que je peux consulter. Exporter en PDF. Dans le cas où le devis est accepté, je peux générer automatiquement la commande et la facture depuis ici. Hein, petit bouton plus. Je suis sur le devis. Pour l'instant, je vais l'exporter en PDF. Et automatiquement, alors là, il y a un petit peu d'amélioration à faire sur le PDF, mais automatiquement, j'ai mon devis avec son numéro, les données du client, les données de la société qui vend, la référence du produit, le détail de la référence, nombre de produits, grille tarifaire, remise, montant total. Avec tout le détail, en page 2, la description et les conditions générales. En page 1, le détail du devis. Voilà, donc là j'ai un devis que je peux parfaitement envoyer par email, imprimé pour mon client. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.